Je me pose genre une heure, il faut que grand maximum. Eh ben, attends. Le vent est obligé de souffler fort comme ça. Là, je vous dis jusqu'à temps que je pose un pied en Martinique. Ça va être la guerre en fait. Je sais que ça va être la guerre. Donc. En fait, je suis à un shooting photo. Mon producteur ne m'a pas prévenu. Donc, j'ai dû me préparer genre en rapide, comme vous pouvez le voir. Heureusement que je suis coiffée, mon Dieu. Hello. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Mon Dieu, fiche qu'il y a du vent. Hein. On se retrouve dans l'épisode numéro 3. Voilà, là, en fait, je ne vous ai pas pris plus tôt parce que je suis tellement à la bourre. Il est 11h30, je suis KO. J'ai mis mes lunettes pour masquer la misère, mais c'est une horreur, en fait. Là, je suis en train de courir parce que je suis en retard à mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Du coup, là, je file. Ensuite, je dois retourner chez moi, préparer toutes mes affaires pour partir au tournage. Donc, je peux enfin vous dire maintenant que c'est plus ou moins fixé. Aujourd'hui, je tourne le clip de Jiggly. Pour ceux qui savent, j'ai sorti mon son en avril. Et du coup, le tournage du clip a lieu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous parlais des péripéties, de tournage, de réalisateur et tout. C'est parce que c'était pour le clip de Jiggly. Après, il y a un autre tournage demain, puisque je pars lundi. Donc, il y a 3 tournages qui étaient prévus initialement, mais on en a enlevé un. On a priorisé les 2 autres. Du coup, ça fait que ben, on a 2 tournages là ce week-end avant que je parte lundi. Là, je suis en train de faster puisque voilà, j'ai reçu ma dernière tenue du coup pour le clip d'aujourd'hui ce matin. Je pensais ne pas la recevoir. J'étais déjà en train d'appeler la poste et tout parce que je savais pas si ça allait arriver, tout ça. Finalement, oui. Donc du coup je suis contente et là il me reste un dernier colis Amazon qui est déjà en chemin. Donc c'est carré, j'ai reçu tous mes colis, merci Seigneur. Parce que là je savais pas comment j'allais faire, genre j'avais tout commandé mardi. Donc je savais pas si ça allait arriver vraiment fin de semaine ou début de semaine prochaine. Sachant qu'en plus je pars lundi, il y aurait eu personne pour réceptionner les colis. Mais du coup c'est bon. C'est quel bâtiment ouais. Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais assise par terre? Oui, du coup, là je sors de chez l'esthéticienne, je suis plus ou moins dans les temps, à la base j'étais en retard. Là ça va, je suis dans les temps. Du coup, oui d'accord. Du coup là je file à la maison récupérer toutes mes affaires pour le tournage de cet après-midi. Et ensuite, let's go, je dois rejoindre l'équipe et tout pour cet après-midi. Donc voilà, je vais passer acheter à manger aussi parce que je n'ai rien sur l'estomac. Donc avant de tomber dans les pommes, je pense qu'il faudrait se nourrir. J'ai remis le petit pantalon. En vrai, je pense que je vais remettre les mêmes vêtements parce que sinon ça va me faire des lessives à chaque fois et j'ai besoin de mes vêtements pour rentrer en Martinique. Donc du coup voilà, let's go. Comme vous avez vu, j'ai fait ma valise. Donc ici j'ai mon make-up. Ensuite j'ai mes produits et tout, ça c'est une tenue de rechange. Ici j'ai mes chaussures et juste en dessous comme vous avez vu mes tenues. Donc là normalement je suis prête, j'attends juste le dernier colis, le livreur est en train de me les livrer. Enfin il est sur la route là, il reste 5 livraisons à faire avant la mienne. J'espère, ça me donne le temps de reprendre une petite douche et tout. Parce que je sors de l'esthéticienne, 4 livraisons, donc ça va. Du coup, voilà, ça me donne le temps de prendre une petite douche. Ensuite, j'appelle mon producteur et on y va. Puisqu'il vient me chercher ici. Et du coup, voilà, c'est bon, on est dans les temps, je ne suis pas en retard. J'ai tout fait, j'ai rien oublié. Tout est arrivé à temps, merci Seigneur. Je ne sais pas comment j'aurais fait, je crois que j'aurais été dans la panique totale. Si c'était pas arrivé à temps. Mais franchement, je suis contente. Je suis pas stressée pour le coup. Je sais que je suis fatiguée par contre. J'ai pas mangé ce matin. Enfin, j'ai acheté un truc à manger, mais c'était dégueulasse. Donc, j'ai pas mangé. Je vais voir si sur la route on achète un truc à manger ou arriver sur les lieux. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente parce que tout se déroule pour l'instant comme prévu. Après, d'après ce que m'a dit le Réa, la météo n'est pas forcément en notre faveur parce qu'il fait très très beau, mais il y a énormément de vent. Donc, ça risque d'être problématique, mais bon, on verra ça quand on arrivera sur les lieux du tournage. Du coup, voilà, je vais prendre une petite douche, me changer et c'est parti, let's go.
ça arrive juste à temps. Et mon producteur vient de partir pour venir me récupérer. J'avais trop peur que ça arrive pas à temps. Juste... Dieu est grand, il y a Dieu est grand. Dieu est grand. En plus, le colis devait arriver hier et il a été en retard. C'est lourd, voilà. Des bijoux comme ça. Je vais pas vous montrer, vous verrez dans le clip. Mais c'est des bijoux. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Vous savez, les bijoux avec les grosses mailles là, argentées, à la mode façon. J'ai trop aimé. Du coup, j'en ai pris parce que je trouve ça trop stylé. Franchement, ils se sont pas foutus de ma gueule. En plus, j'ai eu ça pour pas cher. Ça m'a coûté 16 euros et c'est de l'acier inoxydable. J'ai le collier et le bracelet qui va avec. C'est trop bien. Mais Amazon, ma vie, en fait. Autant je commande pas souvent sur Amazon, mais quand je commande, c'est des gros trucs. Hein. Là, j'ai commandé quasiment tous mes trucs sur Amazon. Amazon et Vinted. Les trucs qui sont neufs, là, qui coûtent la peau du cul. Enfin, Amazon, tu me diras, c'est neuf aussi, mais... Mais c'est chiant à ouvrir, leurs trucs, là. Les déodorants sous mon bras, là. Oh, ça me gêne. Voilà. C'est chiant, wesh, les gars. Ils ont... En fait, le papier, il est collé au bijou. Genre, c'est dur, quand même. Du coup, j'ai essayé les bijoux. Le collier est super. Bon, j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus ras de cou, donc je pense que j'en achèterais un autre. Parce que c'est vrai que j'ai pris le plus grand, pensant que ça taillait petit, mais en fait, non, ça taille super grand. Le bracelet, c'est sûr, ça me va pas. Mon poignet est beaucoup trop petit. Bon, ça, après, je savais. Et ça, c'est le deuxième colis, c'est les trucs là, les pochettes là, pour ranger ma valise. Les organisateurs de valise, voilà. Normalement, alors là c'est une trousse de toilette et là il y a les pochettes en fait dedans. Donc là c'est la plus grande pochette, comme ça. Et dedans en fait il y en a plusieurs petites. Du coup ça c'est une pochette genre comme ça, tu vois, pour mettre les chaussures dedans. Mais bon, ils en ont mis qu'une seule. Ça pareil je crois. Enfin tu peux mettre un peu de tout. Ça s'ouvre comme ça, tu mets tes trucs dedans et tout. C'est super bien. C'est beau, j'ai pris en beige parce que à esthétique, tu connais. Et le troisième. C'est tout? Ah d'accord, j'ai eu peur, mon dieu. Ensuite, il y a une petite pochette comme ça. En fait, t'es censé plier les trucs au maximum pour que tout rentre dedans. Et normalement, tout est censé rentrer dedans. Et j'aime bien, il y a des petits clips comme ça. Tu peux clipser. Tac, tu vois. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Il y a une pochette comme ça, pareil. Donc, il y a une pour les hauts, une pour les bas. J'aime bien, franchement, c'est cool. Là, on a une petite comme ça qui s'ouvre. En fait, j'aime beaucoup le fait que les pochettes sont toutes différentes, tu vois. Donc, tu peux mettre plein de trucs. Là, par exemple, ça peut être une pochette à make-up, tu vois. Mettre plein de trucs dedans, plein de produits et tout. En plus, c'est super spacieux et le but, c'est que tout rentre dans une grande valise ou même dans une petite valise cabine. Donc c'est archi pratique. J'avais grave besoin d'acheter des rangements de voyage parce que ben, c'est mieux en termes d'organisation, en termes de rangement. Je trouve que c'est plus simple. Donc voilà mes petits achats. Et puis il y a la petite trousse comme ça. Ça sera grave ma trousse à pinceau. En plus des deux trucs que j'ai déjà pour le make-up. Donc je pense que ouais, c'est suffisant et que j'aurai de quoi faire pour ranger ma valise, quoi. De toute façon, je vais reprendre ça avec vous dimanche, au moment de faire la valise. Enfin, demain, du coup. Et voilà. Là, j'avais pas vu celle-là. Il y a ça aussi. C'est une petite trousse de toilette. Ça sera grave ma trousse de toilette parce que celle que j'ai, elle est devenue cracra. Et voilà. Et c'est archi spacieux. Tous mes produits rentreront dedans, c'est sûr. Donc, voilà. J'aime beaucoup, très satisfaite. Je mettrai une très bonne note au vendeur. Du coup, voilà. Ben là, j'attends qu'on vienne me chercher. J'attends, monsieur le préfet. Et du coup, ouais, je vais mettre ça près de la valise. Je vais garder ça aussi. Ça peut toujours servir. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Pourquoi? Allez. Attends, mais en plus... Je vais pas filmer un clip avec ça. Tu rigoles ou quoi? Si moi qui suis professionnel, je te dis que oui. Ah oui, effectivement. Ben quoi? Et tu peux très bien faire quelque chose avec ça.
Oui, mais c'est pas encore le moment. Je la maîtrise pas encore, en plus je viens de la voir, donc tu vois. Et j'ai dû vendre l'ancienne que j'avais pour acheter celle-là. Il n'y a pas de vent, hein. Ça va, arrête, Clarence, là. Tu veux que je mette ta tête sur YouTube? Non. Alex, alors, raconte-nous pourquoi t'es fâché. Ah non, mais moi, t'as fait les trucs. Pourquoi tu jettes le coca? Chaud. Ah. Et en plus, ça peut pas rentrer. Ouais, ça va te donner mal au ventre. Voilà. Genre, on a pris un rendez-vous par contre. Mm-hmm. Bonjour. Du coup, le réalisateur, l'artiste. Bonjour. Ça fait mignon le truc en plus. Il bosse à l'entrepôt. Ça va? Ah, mais lui aussi. Ça va? Tu me reconnais pas? Bon, je suis tout le temps à l'entrepôt. Bonjour. Chloé. On vient faire le clip. Elles sont où les filles? Bien. Bonjour. Ah, pardon. Ça va bien? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Il est beau le lieu. Par contre, les gens ne voudront pas être filmés. Mais du coup, l'autre, il n'y a pas. Je ne vais pas partir la chercher. Salut. Vous allez bien? Oui. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, hein. Je suis pas réalisatrice, ok? Moi, je suis manager, c'est pas pareil. Je sais pas ce qui se passe un peu. Avec moi un truc, accélère-moi. J'y vais avec les ballons. C'est bête, c'est bête. Guys, je viens tout juste de rentrer. J'ai plus de voix, j'ai mal à la tête, as fuck. Je suis tellement fatiguée, mais bon, ça s'est super bien passé. Je suis contente. Les Réa, ils ont été contents parce qu'on a pu tout avoir. Vous êtes un peu crochus. On a pu tout avoir. Donc là, je viens de rentrer. La partie, c'est un mess total, vraiment. Donc je vais ranger un peu. M'occuper un peu du linge, ranger franchement vite fait, hein, histoire de dire que je débarrasse un peu parce que je fasse le montage. Et je voulais pas finir le montage trop tard en fait, pour avoir le temps de me poser, tu vois, de manger et de me coucher avant minuit, quoi, sachant qu'il est déjà 20h. Donc voilà, donc ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Restez connectés sur ben, mes réseaux de musique, Dolly Music Off, dolly.musicoff. Pour la sortie du clip de Jiggly, en fait, qui se fera sous peu. Là, sous peu, là. Donc, du coup, voilà, demain, rebelote, on a un deuxième tournage. Et après, je pourrai boucler tout ça et me concentrer sur mon voyage. Donc, à partir de demain soir, on va faire tout ce qui est valise, etc. Donc, du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé et à partager la vidéo en fait. Et à vous abonner, on est bientôt 1000, on est bientôt 1000. Vous êtes toujours pas abonné en fait, vous ratez. Moi je pense que vous ratez. Donc du coup abonnez-vous et ben, on se retrouve demain. J'ai un truc au coin de la bouche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Les figurantes, elles étaient contentes. Il y a eu quelques petits soucis de logistique, mais ça a pu s'arranger au final. Donc, on a pu tout faire, on a pu tout boucler. Les gens, ils étaient dans l'ambiance. Ils ont donné du love et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc, voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau Dear Daily August et de nouvelles aventures. Ciao.